Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est vendredi et on n'a pas vraiment vlogué dans les derniers jours. Par contre, il y a 2 jours, Jay et David, ils ont finalement monté l'ordinateur à David, ce qui signifie moins de boîtes dans la maison. Donc on va vous laisser sur un petit... les boîtes de Simon qui s'en viennent. Bref, on va vous laisser sur un petit timelapse de Jay et David qui construisent son ordinateur. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on will go. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé ces derniers temps. Autrement, hier on a filmé, aujourd'hui on filme aussi. Il faut qu'on finisse de filmer pour ma vidéo du week-end. Je sais pas encore si ça va être en ligne samedi ou dimanche. C'est une excellente question, ça va dépendre du temps qu'on a. Mais là on va vraiment se dépêcher à finir de filmer. Il en reste pas gros. Puis côté montage, ça devrait pas être super long à faire non plus. Fait que ça c'est très bien. Sinon, pour répondre à une question qu'on a beaucoup ces temps-ci, est-ce que vous allez faire le vlogtobre, qui signifie un vlog à tous les jours du mois d'octobre? La réponse à ça est non. Parce que, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Tu vas acheter techniquement un croton qui est expiré. Hein? On est le 29 septembre, ouais. Meilleur avant le 24 septembre. Peut-être non, peut-être ça a été emballé le 24 septembre. Meilleur avant. Non, je suis sûre que tu dis n'importe quoi. Merde! You'll die! Ah, il est bon quand même! Ben, t'en as mangé hier, pis t'es pas mort, t'as pas été malade, fuck. Donc, c'est ça. Ce que je disais, on fera pas le vlog. J'ai peut-être tué Jay. Mais non, on fera pas le vlogtobre parce que ce serait juste plate, honnêtement. Ça reviendrait tout le temps au même. On veut juste rester à la formule où on vlog quand on peut, on vlog quand on a des choses à vous montrer. Puis je pense que le fait de comme se forcer à vlogger à tous les jours, ça enlève la magie un peu. Puis là, je suis certaine que vous allez poser la question aussi pour le vlogmas, même si techniquement c'est dans comme 2 mois et quelques. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça encore, c'est une excellente question. Je pense pas qu'on va garder la formule de comme un vlog à chaque jour parce que honnêtement l'an passé c'était juste comme être très honnête avec vous là, puis là je suis très raw en ce moment. La première année qu'on a fait le vlogmas, je me suis tannée comme le 20 décembre. Mais cette année, ben en fait l'an dernier, en 2016, ouais c'est ça, en 2016 je me suis tannée le comme 6 décembre. Fait que je pense pas qu'on va garder ça, tu sais je sais que vous aimez ça mais de toute façon il y a comme tellement de vidéos qui sont publiées pendant le mois de décembre, puis j'ai l'impression que c'était tout le temps la même affaire. Puis dans le fond, au fond, c'est ça, là, je veux dire, on peut pas s'inventer magiquement des choses super le fun à faire pendant le mois. J'aimerais ça que ma vie soit palpitante à tous les jours, mais en même temps, des fois j'aime ça être en pyjama toute la journée, puis juste faire mes affaires tranquilles. Fait que voilà, mais on va quand même vlogger beaucoup là, c'est pas... et pour le vlogtobre et pour... Ben en fait non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce qu'on le fait pas. On va quand même vlogger beaucoup, mais c'était pour répondre à votre question. Puis sinon, regardez ça dans le magazine Full Fake qui vient de sortir, ça fait comme 2 jours. Il y a moi sur la couverture, puis tadam, il y a 2 pages de moi que j'ai écrit dans le magazine. Je suis full contente, j'aime vraiment ça, les photos c'est Jay qui les a pris. Puis on est bien contents du résultat là, si vous en fait vous remarquerez peut-être pas, mais en tout cas ça a été pris dans notre ancien appart parce qu'on les a pris vraiment très d'avance, comme juste avant de déménager. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que ça vous semble familier, mais on est bien contents du résultat final, c'est vraiment cool. Mais sur ce, on va aller se préparer. Ben moi dans le fond je suis encore en pitch parce que pour une des scènes qu'il faut qu'on filme, je suis en pyjama dans le lit. Mais après ça il reste 4 autres scènes à filmer, c'est des sketchs humoristiques pour une vidéo. Tout est prêt de mon côté. Puis comment? Tout est prêt de mon côté. Tout est prêt, ok, ben il reste juste à aller me mettre au lit pour cette scène-là, puis on va terminer. Puis sinon on a comme, je vais vous montrer tantôt là, la checklist que j'ai pour la semaine, bonjour. C'est vraiment intense pour vrai parce que là, rien de certain encore à 100%, mais c'est possible qu'on parte en voyage dans 2 semaines, puis on a vraiment beaucoup de choses à faire d'ici là, donc voilà, on vous en reparlera en temps et lieu, mais sur ce, faut qu'on filme. Non, mais pas Fudge, c'est le comptoir. Parfait. Mais parce que c'est pas propre. Fudge le comptoir? Ben, mettre le chat sur le comptoir, c'est pas propre quand même. Fait que tu dis que le chat est pas propre. Ben oui, mais c'est parce qu'avec genre ces magnifiques petites pattes, là, il est allé dans sa litière. Ouais, mais t'es embrasses ses pattes très souvent par jour. Ah mais je me fais des anticorps. Hey, arrête. Je l'aime. Toi aussi tu l'aimes, je pense. Tu veux que ça, ce gros bedon-là? Bon, donc là on vient de finir. Il reste deux scènes à filmer dans le fond, mais ce sera vraiment pas long. On attend juste parce que là, il y a mon amie Delphine qui s'en vient. Puis elle restera pas super longtemps, là, elle va rester comme un petit 1-2 heures parce qu'elle a besoin d'aide pour téléphone cellulaire, puis Jay c'est l'expert là-dedans. Fait qu'on va attendre que Delphine elle arrive, puis après ça on va finir de filmer nos trucs, puis finir le montage, puis tout ça. Mais d'après moi ça devrait bien aller. Ah, faut faire la photo pour le thumbnail aussi, pour la miniature. Faudrait aussi faire un caca collectif. Ah ouais? Ouais. Je pense pas, mais demande à Fudge, là peut-être qu'il va y aller en même temps que toi. Ouais, je suis sûr qu'il voudrait. Comme vous semblez avoir aimé la dernière fois, moi qui vous montrais ma checklist, donc là je me suis fait une checklist, j'ai écrit du 1er au 6 octobre, mais ouais, mais non, pour vrai en papier ça va être vraiment comme je suis la première à prôner, voyons comment ça s'appelle, l'informatique virtuelle, whatever, mais pour une checklist là j'aime vraiment ça papier, fait que dans le fond c'est ça, j'ai mis du 1er au 6 octobre, mais je veux dire je peux commencer à les faire maintenant, c'est pas tant grave, comme là mettons pour YouTube j'ai plein de trucs que je vais filmer, je vais filmer un haul, je vais filmer des favoris, le haul de Disney, les astuces pour le voyage à Disney, on veut faire une intro pour Kat et Jay qui est déjà planifiée, il manque juste à trouver le temps de la filmer, puis on a déjà le nain, Fudge? Pour le intro. Ah, le intro, ok, j'ai bien compris, d'accord. Sinon, filmer ma vidéo de la semaine, je sais pas encore ça va être quoi, mais il y a j'ai trois scripts de vidéos qui sont prêts, fait que je choisirai ça. Sinon, j'ai des achats, puis là, j'ai mis des cases de libre parce que c'est certain que je vais avoir d'autres trucs à acheter. Mais sinon, pour la maison, ben là, tu sais, ménage de la chambre, salon, je veux vraiment accrocher mes plaques YouTube parce que là, je vais accrocher mes plaques YouTube, classer les fils, nettoyer mon bureau, puis il y a d'autres trucs qui vont se rajouter. Mais ça, c'est vraiment les trucs les plus urgents à faire pendant la semaine du 1er au 6 octobre. Puis on est déjà rendu en octobre, oh my god. Petite pause Netflix, si jamais ça vous intéresse, parce que je pense qu'on est toutes du pareil au même, puis on cherche toujours des nouvelles séries. La saison 2 de Scream Queens, à date, j'aime pas. J'ai regardé 2 épisodes, puis je trouve que c'est très ordinaire. J'aimais mieux la saison 1. Il y a la saison 13 de Grey's Anatomy sur Netflix, puis ça, je sais que ça fait comme un an qu'elle est sortie, mais j'attendais qu'elle soit sur Netflix pour la regarder. Puis si vous aimez les trucs d'horreur, Exorcist, très très bon, c'est comme vraiment un film d'horreur mais en série de 10 épisodes, puis sérieux, j'adore, fait que ça, dans le fond ces deux-là, c'est mes deux coups de cœur du moment. Scream Queens, la saison 2, mais là j'attends Jane the Virgin, la prochaine saison avec impatience. C'est Fudge en ce moment, pendant que Catherine essaie encore de lui couper les griffes. Ouais, parce que c'est important de tailler ses griffes. Okay. Fuck you! No! Fuck you! Stop! No! Hey! On a coupé les deux pattes d'en avant, on va faire celle de derrière quand même. Fuck you! I will eat your face. Genre, Fudge ne mord jamais, tu sais, je veux dire, quand il mord, c'est pas comme si ça faisait très mal, excepté quand on veut couper ses griffes. Ça là, ça, regardez ça, comment ça t'a l'air fâché comme ça, bébé? Donne-moi, donne, s'il te plaît. Donne. No! Please. No! Il fait juste me donner des petits coups de patte comme. Tu veux-tu le tenir pendant que j'y coupe? Non. Pourquoi? Ah! Non! Fuck you! Genre, ses griffes font pas mal, mais c'est juste parce que j'ai peur que ses griffes soient trop longues de derrière. Mais là, t'as caché tes papas. Qu'est-ce que c'est ça? Caché tes. Mais Fudge, tu vas avoir une gâterie si tu me laisses faire. Ah! Ah! Oh, bébé, franchement! Là, il joue la comédie pour la caméra, ça y fait même pas mal. Ça te fait même pas mal. Ok, correct. Mais t'es pas sorti du bois, je vais te couper quand même, hein? Fuck you! Oui, il dit pas ça. Il est poli. Non, il dit. Eh là là, pauvre Fudge. T'es donc bien fâché. Dans une minute, tu seras plus fâché. Il est déjà plus. Non, non, allez, gros bébé d'amour. Je veux faire goûter de la dinde à Catherine, mais le problème. En fait, c'est du poulet. Mais il y a comme la patte de quelqu'un qui empêche. Non. Oh! Il est en tabarnak. Wow, c'est vraiment bon. Elle est bonne, hein? Avec le petit rachat, ça donne tout. Mm. Oh mon dieu! Il est insulté. Ok, je vais te donner d'autres choses, bébé. T'inquiète, on va te donner. T'as Catherine, goûte-en encore. Non, je peux pas faire ça. Catherine? T'inquiète, Minou, tu vas avoir du pâté. Non, arrête, non. Il est tellement insulté. Il m'a donné du pâté. Qu'est-ce que c'est ce fudge? Ça, c'est pour les fudges. Ça fait ça du pâté? Gros œuf. C'est-tu trop? Je pense qu'ils viennent de Zénon. Non, je pense que oui. Hein. Je pense que c'était pas mal quand même, ça fait que... Oui, ça s'en vient, Fudge. Avec ses pantalons Fudge. Oui. Hey, mes deux tapettes ensemble. Je sais pas qui est plus contente, Catherine ou Fudge. Je pense moi. Ça se peut très bien. Parce que j'aime vraiment ça comme gâter Fudge. Pour vrai? Ça se voit pas. Catherine a juste approuvé un des deux effets spéciaux en son que j'ai mis pour cette scène. Devinez lequel que Catherine n'est pas d'accord. Hey! Je veux pas que tu fasses ça! Pourquoi? Je l'ai dit, moi je vais aller faire les montages, je travaille sur le projet Rondoudou, mais non, on t'a dit, oh non, j'aime ça les sketchs humoristiques! Connard! Mais c'est... Je suis bon pour faire de l'humoristique! Oui, mais... un petit pet! Moi j'ai trouvé ça par terre. Ouais? On va le mettre où? Dans ma pièce. Ok. D'accord. Fait que le... Non! Non, mais non. Honnêtement, je voulais comme mettre un son que Catherine se fait caca dessus, mais elle a pas approuvé. Mais parce que c'est pas ça! Non! Prout prout prout! Non! Non! Mon prout prout! Non! Bon, fait que là, il nous reste encore quelques scènes à filmer, dont une qu'il faut qu'on attende parce que faut qu'on aille dans les toilettes de notre building. Comme, fallait vraiment des toilettes publiques. Puis on va attendre à une heure où il n'y aura pas personne pour qu'on puisse faire cette scène-là. Puis sinon, il y a une autre scène qu'il faut qu'on refilme aussi parce qu'on a eu un petit problème avec le micro. Puis en tout cas, ça sonne vraiment pas bien. Fait que là, pendant que Jay finit la partie de montage qui reste à faire, moi, je suis en train d'écrire des scripts de vidéos. J'ai comme plein d'idées, mais je sais juste pas quoi filmer ces temps-ci parce que comme la semaine prochaine, on va vraiment manquer de temps. Puis j'ai comme... 4 vidéos à filmer, fait que là, faut vraiment que je clenche, mais j'ai plein d'idées. Comme là, j'ai 3 scripts de vidéos qui sont terminés. À date, je pense peut-être que ça va être une routine du matin, mais je suis pas certaine encore. On verra. Sinon, j'ai une autre idée de vidéo qui pourrait être pas pire, qui serait pas trop longue à filmer non plus, parce que, dans le fond, c'est ça, cette vidéo-là qu'on est en train de faire le montage en ce moment, ça a pris comme 3 jours à la filmer, tu sais, à peu près. Fait que je peux pas avoir une vidéo qui me prend 3 jours à filmer aussi, parce que ça, c'est vraiment trop long. Mais, en tout cas, à date... Je pense que ça va être la routine. Stay tuned. Quand Jay me dit qu'il veut vraiment faire le montage de cette vidéo-là, puis il y a bien du fun. Ça, c'est la plage de montage. C'est de l'humour! J'aime ça faire de l'humour! Ouais, fait que ben c'est pas comme si j'avais rien d'autre à faire, fait que je l'ai laissé faire parce qu'il y avait vraiment envie, fait que moi, j'ai fait d'autres trucs. Les vidéos d'humour! J'aime ça, les vidéos d'humour! Ouais! Catherine l'a écrit, puis moi, je la réalise. Ouais, on a bien du fun à faire ça tous les deux ensemble. Dans le fond, c'est toutes les choses qui énervent Catherine, et moi, je fais la réalisation. C'est ça. Fait que là, je pense qu'on va aller filmer les autres trucs qui nous manquent. Ouais. Sinon, tout ce qui est déjà là est fait. Faut juste finir les couleurs, mais... Ouais, ça devra pas être bien long. De toute façon, même sans les couleurs, c'est déjà beau, admettons. Ben, ouais, c'est ça. Mais... c'est déjà... ouais. Pour elle, je sais pas encore si ça va être en ligne samedi ou dimanche, on verra. Parce que Jay, demain, il s'en va à l'armée. Fait que dans le fond, demain, vous allez passer la journée avec moi. On va faire du ménage. On va aller acheter des petites courges parce que je veux décorer... oui, des courges. Des courges. Mais genre des petites courges d'automne là. Mais tu manges même pas les courges. Mais non, je sais, mais c'est juste pour décorer. Mais c'est de la vraie bouffe. À moins que j'en prenne des fausses. Je peux toujours faire ça. Parce que ça va être beau. Mais c'est l'automne, c'est des citrouilles. Aussi. Des petites citrouilles. Je vais faire quelque chose de bien cute ici. Faudrait faire le ménage en premier, mais. Ouais, c'est quand même pas si pire en fait en ce moment. Parce que tout est à terre, parce que tu pointes le bout où est-ce qu'on a filmé. Exactement! Toutes nos fils qui traînent. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est Jay qu'il faut qu'il range, puis il y a d'autres choses à faire que ranger les fils. Fac. Parce que pour tous ceux qui posent la question, là, la raison pour laquelle on fait pas le ménage, c'est que A, on travaille. On fait pas le ménage. Ouais, il y a plusieurs raisons en fait. C'est que A, on travaille plus que 40 heures semaine. Tu sais, ça paraît peut-être pas là, parce qu'on vous montre pas nécessairement nous qui travaillons parce que c'est pas palpitant pour vous, mais on travaille vraiment plus que 40 heures semaine. Puis en ce moment, ben là, dans le fond, comme vous savez, Jay et moi, on travaille les deux ensemble en ce moment, puis on est comme. Juste nous deux, fait que tu sais, c'est une grosse charge de travail parce qu'il y a tous les courriels à répondre, puis Seigneur Dieu qu'on en reçoit. Mais tu sais, ça va bien là, c'est vraiment cool, mais c'est juste une charge de travail supplémentaire qu'on a en ce moment, puis tu sais, c'est de gérer comme plein de trucs, puis ci, puis ça, puis nanana, mais c'est le fun. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus de gestion ces temps-ci que, mettons, qu'est-ce que c'était avant. Fait que le ménage, j'aimerais ça que ce soit propre, j'aimerais ça que ce soit beau, tout accrocher nos trucs puis tout ça, mais malheureusement, ce sera pas tout de suite, éventuellement, mais pas tout de suite parce que là, on a projet Rondoudou qu'on veut sortir bientôt. Puis j'avoue que c'est vraiment beaucoup plus Jay qui travaille dessus. Techniquement, que... on vise en décembre avant le projet Rondoudou. Mais c'est techniquement... Puis si vous continuez à nous dire « Faites le ménage !» Ben il sortira pas en décembre parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Puis j'ai pas envie de m'engager une femme de ménage parce que la pauvre... Oh la pauvre... Elle va mettre mes fils à la mauvaise place. Non mais pas juste ça, elle va pleurer. Moi je pense à sa santé mentale. Pauvre dame, elle va capoter si elle rentre ici. Pour ceux qui disent que je me nourrisse pas... Que je me nourrisse pas? Catherine, c'est clairement un mot. Voici le bagelator. 2 tranches de gouda, mayonnaise, tomate, salade. 2 tranches épaisses de poulet, poulet sriracha, avocat, huile d'olive, bonheur. Avec en bonus, un petit chat qui te regarde. Et là, il y a David qui vient de dire dans mes écouteurs avec sa sauce spéciale. Quelle est la sauce spéciale de David, sachant que ses cheveux sont oranges? Ce serait sûrement une moutarde cajun. Ah oui? Ouais. J'ai David dans les écouteurs. Ou je suis juste fou puis je parle à moi-même. J'entends des voix. Non, c'est une joke. Mais des fois, je pense vraiment, avec toutes les conneries que tu fais puis que tu dis, je pense vraiment que t'es pas tout seul dans ta tête. Genre... On là-dessus? Quoi? Ah, rien. T'es pas normal. Bon, ben je pense que ce vlog va se terminer très bientôt parce que je commence à être vraiment fatiguée. Là, ben, il est quand même 1 h du matin déjà. Je suis en train de planifier une autre idée de vidéo que j'ai eue. Je sais pas si ça va être possible par contre. Ben oui, ça va être possible d'en faire, là, mais j'avais le goût de faire une vidéo comme les trucs à faire cet automne. Mais le problème, c'est que entre le Québec puis la France, il y a vraiment des différences. Puis le truc, un truc que je vais montrer dans la vidéo, je sais qu'il n'y en a pas en France de ça, mais comme il y a vraiment beaucoup de mes abonnés qui viennent de France, d'Europe, de Belgique, puis tout ça, puis je trouverais ça plate de comme, tu sais, montrer quelque chose qu'il n'y a personne qui peut faire là-bas, mais en même temps, je vis au Québec, fait que je vais comme, tu sais, pas m'empêcher de faire un truc, parce qu'en tout cas, c'est honnêtement, c'est niaiseux, là, mais c'est quelque chose auquel qu'il faut que je pense quand je fais mes vidéos, parce que justement, tu sais, c'est... Je montre des trucs, puis des conseils, puis des astuces, mais là, si 75% de mon auditoire peut pas le faire, c'est plate un peu. Fait que, en tout cas, je pense que là, je suis juste vraiment fatiguée, puis je vais travailler là-dessus demain matin, plus, dans le fond, là, on l'a dit tantôt, je pense, mais Jay s'en va à l'armée demain, il s'en va prendre des photos. Donc, moi, je vais en profiter pour rester à la maison un peu, faire un petit peu de ménage de mon côté, écrire des scripts encore, bref, plein de choses, de très belles pitantes, mais je vais sûrement vlogger parce que je veux aller au petit marché proche de chez nous, puis aller prendre des petites citrouilles, puis des choses comme ça. Fait qu'en tout cas, je vais vous amener avec moi, là, vous semblez bien aimer, surtout nos vlogs plus longs ces temps-ci, comme il y en a plein qui nous disent qu'ils aiment ça, les vlogs plus long, fait que on vous présente un peu qu'est-ce qui se passe dans nos journées puis tout ça, mais bien contente que vous aimez ça. Donc sinon, pour ce qui est de ma vidéo sur ma chaîne principale, elle va être en ligne dimanche parce qu'on l'avait pas complètement terminée, puis on était un petit peu fatigués, puis on s'est dit comme oh, regarde, on va la mettre en ligne dimanche, là, ça va être correct. Puis de toute façon, je mets plus mes vidéos exclusivement le samedi, là, c'est vraiment comme le samedi ou le dimanche parce que c'est ça, ça a l'air que j'ai un petit peu de la misère avec mon samedi, en tout cas. Mais bon, là je suis en train de divaguer et je sais même plus qu'est-ce que je dis tellement je suis fatiguée. Donc je vais aller reporter la caméra à Jay, je vais aller me démaquiller. Puis c'est ça, nous on se voit demain, bye! Bonjour, beau lendemain. Alors moi je dois y aller, j'ai du travail. Clairement vous voyez que je vais faire du jardinage. Ben oui, t'es couleur jardin. Je suis couleur relief. En ce moment je suis un condiment. Oui. Un condiment tactique. Oh. Mais étonnamment, vous serez très étonné à quel point ça c'est vraiment efficace en forêt, pour vrai. C'est quand même quelque chose, surtout mouillé. Donc, on est invisible. On pouvait pas ne pas faire le mot de la fin. Donc, ouais. Donc, écoutez, soyez beaux, soyez coquins et. Puis je vous aime. Je vous aime, mais il y a Pyramide. Pyramide 1.